Être en résidence à Harplume, c'est très confortable. On peut, à n'importe quel moment, si on a envie de venir travailler, je ne sais pas s'il y a 4 heures du matin d'un seul coup, on pouvait se réveiller toutes les 3 heures, il faut absolument qu'on travaille un truc. On pourrait y aller. Vous êtes en ce moment dans le cadre de la création d'un nouveau spectacle qui s'intitule « L'insoupçonnable héritage du peuple perdu ». Ça raconte un peu l'histoire de 3 conférencières aventurières qui ont fait la découverte d'un objet et donc qui viennent un peu raconter cette découverte, quoi. Et c'est entrecoupé de plein de petites digressions, quoi. Elles vont vite être happées par plein de choses qui se passent autour d'elles. Donc c'est un spectacle qu'on imagine, enfin voilà, qu'on a conçu pour l'extérieur, effectivement, ou pour des lieux type préau, parking souterrain. Je rêve d'un parking souterrain, voilà, si quelqu'un a un parking souterrain. Là, zéro technique, pas de lumière, pas de son. Et en termes de décor, on ne voulait pas des gros trucs aussi. Monter une structure, tout ça, on n'a pas envie. Ouais, parce qu'en plus, on ne maîtrise pas, donc ça ne sert à rien. Nous sommes impatientes de vous faire découvrir un objet rare qui a traversé les temps, que nous avons retrouvé après maintes péripéties. Objet unique et authentique. Il a appartenu à un peuple à présent oublié. Vraiment, c'est quelque chose de très décalé, quoi. De très, je veux dire, ces conférencières-là, elles sont pas sérieuses. Enfin, elles y croient à fond, quoi. Mais elles sont pas sérieuses pour de rond. Enfin. Ouais, je crois que ça part aussi d'une envie, à un moment donné, de détournement d'objets. Tiens, oui, mais ça, c'est pas pour la prise de son, ça. Non, non. En fait, c'est. Ça, c'est un espion. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt une ruche. L'histoire de ce peuple, dans les grandes lignes, c'est ceci. Le sens de la lecture étant celui-là. On a la prétention que les gens, les spectateurs, voient plus jamais le monde pareil après qu'ils auraient vu le spectacle. Qu'en fait, il y a des réglages très très précis aussi. Ah oui. Hein? Ça n'a pas l'air comme ça. Ça n'a pas l'air, non. J'ai oublié de faire le rire. Ouais. Oui. Non, mais on a oublié pas mal de trucs. Hein. Moi, j'ai oublié le jeu des doigts. Mais... Une résidence à Harplume, ça implique un projet artistique. Donc, dans le cas de l'Hôtel de la Plage, suite à leur dépôt de dossier, on a accepté leur résidence parce que leur envie de travailler sur un spectacle de rue sans avoir le côté spectaculaire habituel du spectacle de rue nous a beaucoup intéressés. De la paille, ce peuple en cultivait à foison des champs de paille à perte de vue. Partout sur quelque endroit que se pose mon œil, de la paille. Des hommes et des femmes récoltant de la paille. Des enfants jouant de la paille. C'est un spatule qui fait ça. Tu veux sortir? Oh, bah, débrouille-toi. Donc les Hétéroclites, c'est la 11e édition maintenant, ça se passe derrière moi dans le vallon de la Dolée et ça sera cette année donc les 4, 5, 6 et 7 juin 2008. Donc l'Hôtel de la Plage, on pourra les retrouver le samedi après-midi aux alentours de 15h, 15h30, je ne sais plus exactement. Et donc ils présenteront leur spectacle sur la rue, ce qu'on appelle nous la rue Bas-Vallon, donc une partie du bas du vallon de la Dolée. C'était la compagnie Hôtel de la Plage. Sur 50 TV.